Bonjour à tous, alors moi c'est Jérôme, je commence à lancer ma chaîne aujourd'hui même, hein, comme vous pouvez le voir vous-même. Donc ma chaîne va consister à faire des vidéos sur du gaming, pas essentiellement sur du farming. Donc je pense commencer une carrière dès à présent, assez rapidement. Sur cette map là, donc c'est la map. J'appuie sur le bouton, ça marche mieux. Alors, c'est la map SPF. Hein. Je pense que vous avez déjà tous dû la voir parce qu'elle est sur énormément de sites, dont sur le site officiel de Farming Simulator. Donc, j'ai décidé de faire d'essayer celle-là pour voir un peu qu'est-ce qu'elle peut proposer. J'ai fait un petit tour vite fait sur sa map là, elle a l'air pas trop mal. Donc, bon, je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, on a qu'à faire. La première vidéo, la vidéo de lancement de ma chaîne YouTube. Donc voilà, voilà. Donc je pense faire des vidéos irrégulièrement. Donc je sais pas du tout où ce que ça va arriver. Je sais pas du tout quand je vais les poster parce qu'il faut que je les passe au montage avant. Donc c'est pas le top du top. Donc voyez voilà. Donc web. Quand ça marche pas, c'est plus chiant. Là. Alors, nous on est. On est où? Ah bah on est là-bas. On est là. Un petit machin vert là. Donc là si je suis à la ferme laitière, bon comme dans les trois quarts des maps sur farming, rien n'est en même temps. Tout est dispatché à quatre coins de la map, truc bien casse-couille. Excusez-moi du terme, mais c'est le cas. Alors, donc du coup, bah, dans cette petite carrière, je pense faire un peu de tout. Des vaches, des cochons, enfin bref, un peu tous les élevages. Hein. Bon, moi bah, je vais pas faire du style 500 bestioles à droite à gauche, ça va peut-être devenir très vite impossible à gérer. Donc voilà, on va commencer par le début. Bien sûr, ça sera une partie non cheatée, donc ne me demandez pas dans les commentaires d'acheter ceci ou cela parce que ça va être en fonction des arrivages. Donc bien sûr, bien entendu, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire en commentaire, vous pouvez me mettre un pouce bleu ou un pouce rouge. Un pouce bleu par préférence c'est mieux. Mais bon, si vous voulez mettre un pouce rouge, je m'en fous. Bien sûr, dans les commentaires, si je trouve des choses intéressantes dans les commentaires qui me permettent d'avancer vers l'avant et non pas par l'arrière. Hein, logiquement qu'on avance vers l'avant. J'en prendrai compte et j'essaierai d'y faire à mieux, à mon mieux pour pouvoir déjà que ça soit plus agréable pour vous. Par contre, je vous dis tout de suite, le gameplay dans la stabule, elle est à chier. On entend, mais il y a un écho, y a une coupe. Le son est bien, mais il y a une coupure dans le. Oui, c'est pas top. C'est pas top, top. Enfin, bref. Là je disais quoi, je sais même plus. Couillon. Ouais, dans les commentaires. Donc bien sûr si c'est des bons commentaires, des commentaires sympas entre guillemets, j'en prendrai compte, j'y répondrai s'il y a des questions posées. Mais par contre s'il y a des commentaires du genre tes vidéos c'est nul, retourne d'où tu viens, enfin bref, ce genre de conneries là, par contre j'en prendrai pas compte et juste pour faire chier cette personne là. Je vais faire encore plus de contenu. Donc voilà. Ça sert un peu à rien de essayer de se la ramener parce que c'est pas avec moi que je vais l'écraser. Bien au contraire. Donc voyez voilà. Bon, donc pour commencer, j'ai jeté un oeil sur la petite map tout à l'heure, voir ce qu'on avait en récolte à faire. Bah, comme vous pouvez voir, hein, j'ai décoché. Ah si, il y a deux parcelles. Ah tout à l'heure, j'avais pensé au dinon. J'en fous quoi moi. En x5. Ah, c'était pour ça. Ouais, donc j'ai deux parcelles à récolter. Et celle-là, c'est laquelle, la 8? Qu'est-ce qu'il y a dans la 8? Qu'est-ce qu'il y a dans la 8?
D'accord. Ok, c'est une culture bizarre. On va y voir ça de plus près. La ouette, elle est où? Putain, la ouette, elle est à perpète. Oh, je sais. Oh, je sais, je vais spawner dans un tracteur. Pas folle la guêpe. Et je suis juste à côté. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ok, c'est quoi? C'est de l'herbe? C'est de l'herbe ou c'est pas de l'herbe? On aurait dit de l'orange. Ah non, je suis dans la 9, moi je suis con. La 8, c'est la parcelle d'à côté. Guignol. Hop. C'est du colza! C'est bizarre qu'il me met pas que c'est en cours de croissance. Bon, bah a priori, premier bug sur la map, génial. Bon, on va voir bien entendu si dans la map j'ai un problème. Si par contre il y a trop de bugs, ce genre de code. Est-ce que ça marche le... Ah oui, ça marche! On roule pas sur les cochers! Trop tard. Non, c'est juste pour voir en fait si ça marchait le mode. Parce que j'ai mis le mode écrasement de culture. Voilà. Donc, du coup, bah, le tracteur, hein, on va zoomer, zoom, 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 go, 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 stop. Alors, c'est le 1455, quasi H. Il est pas moche. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Dites-le moi dans les commentaires, tiens. Qu'est-ce que vous en pensez, tu vois? Je le trouve. Bon, elle est sommaire, intérieur, elle est sommaire. Hein, mais pas dégueulasse. J'ai vu pire. Bon, on va me dire, hein, pour du 17, voudrait mieux quand même. Mais il est pas dégueulasse. Je trouve pas dégueulasse. Ouais. Bon, alors, la remorque. Elle est où la remorque? Ah ouais, mais ça sert à quoi je prenne la remorque si j'ai pas de culture à ramasser, moi. Attendez. Blé. C'est là. Non, moi je veux voir les cultures. Ça, c'est tout ce qui doit être labouré. Oui, bah, tu m'étonnes. Il y a quoi faire? Fertiliser. Ah, j'ai la neuf à fertiliser. Mais est-ce que j'ai quoi faire? Est-ce que j'ai quoi de fertiliser, moi? Est-ce que j'ai quoi de mettre de l'engrais? Est-ce que j'ai de quoi de mettre de l'engrais? Oui, j'ai de quoi de mettre de l'engrais. Mais est-ce que j'ai un tracteur équipé à roue étroite? Ça, c'est la question de l'année. Bon, on va faire le tour des tracteurs. Donc, je voyais pas, je voyais pas, je voyais pas. Et bah y'a bon. Oh j'ai 4 tracteurs, j'ai même un dot. Bon bah tant pis, hein, va falloir faire avec, on va écraser plus de culture mais bon. Tant pis. Bon maintenant il est où le machin truc? Il est où le bidule à engrais? Il est où le bidule à engrais? Bidule à engrais, tu te caches où? Il est voilà. Là bon là c'est les réserves. Ça s'appelle un mur. Oui, mais il m'en fout, tu vois aussi. Ça, je veux savoir, moi. Il est où mon machin? Ah, il est là, trouvé. Mais je vais peut-être mettre sur le petit tracteur, non? Ou peut-être pas sur le master, parce que je suis sûr que c'est trop balèze. Oh, pire, mais quoi, vous savez quoi? On va aller à la concession, et puis on va récupérer. On va mettre des roues étroites. Ah, tiens, on va mettre des roues étroites sur le Dutz. Non, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre le Dutz. Le Dutz, je vais lui mettre des roues étroites. Oups. Je l'ai pas vu lui. Bon, tant pis. Alors, il est où le Dutz? Le Dutz, 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 Dutz. Il est là le Dutz. Alors là, les bruits comparés aux. Les bruits moteurs comparés aux autres. Hein. Enfin, aux autres farming, c'est carrément autre chose. C'est bluffant. Alors, zoom. Encore. Encore. Je veux savoir où est où ma concession. C'est ça, tu la constellation. C'est marrant parce que c'est pas écrit en français, bon, c'est chiant. Il faut faire au pif. Trouver concession. C'est concession ça? Alors, voulez-vous vraiment quitter cette partie? T'as fumé là? Je crois pas que j'ai d'autres. Bon, c'est pour Benny. C'est de l'abattoir qui doit être par là. Ouais, c'est en bois. Eh ben, dis donc, ça fait une trottinette tracteur. Bon, bah, y'a qu'à y aller, hein.
Alors que je me prends pas de route. J'espère que je suis sur la bonne route. Oups, si je descends le tracteur en route, ça va le faire. Comment on fait pour mettre la main déjà? Klaxonner. Klaxonner de tapette. Et deux fois. Jamais 203, GG, roule ma poule. Alors la map, non, ça c'est interne. Zoom, merde. X, non plus. Vous voyez, je suis con, ça fait 5 fois que j'appuie sur la même touche. B, Y, mais non. Alors. Il m'en fiche pas le panneau. Faut que j'aille en direction de quoi? Parce que moi je suis où là? D'accord, donc après je prends la première à gauche. J'aurais pu aller tout droit, ça aurait été plus simple. Boursanteng. Un quoi? Bon, je sais que hein, mon allemand n'est pas très travaillé, mais bon. J'arrive même pas à lire. Bon, enfin bref, il faut descendre. Alors là, apparemment, il faut aller tout droit, puis après à gauche. Bon, oui. Tout est là. Par contre, le bruit, il est juste énorme. Et qu'il y a qu'un seul truc que j'aime pas sur ce tracker. C'est klaxon. Comment dire déjà, klaxon de mes... Bon, ah oui, la fameuse question du multijoueur. Alors, peut-être que oui, peut-être que non. C'est-à-dire, peut-être que je ferai du multijoueur avec certains d'entre vous si vous le désirez. Ou peut-être pas. Je sais pas, ça suivra ce qu'il y a sur le programme. Et si j'ai le temps. Parce que à côté, je fais pas que du YouTube, donc c'est pas que je cours, mais. Ah, concession! Ah bah oui, bah, hey, tiré gagnant! Putain, je devrais jouer l'auto, moi. Par contre, le trigger de. Question, il est où? Là-bas! Où je me mets d'où? Je me mets sur le pont? Où je me mets sur le pont? Je me mets là. Où je me mets devant la porte. Tac! Stop! Je suis. Parfait. Le truc qui est marrant, c'est qu'ici on est dans une concession, on entend des vaches. C'est ça qui est drôle. J'adore cette map. Comique. Alors, appuie sur L. Tac, L. Configurer. Oui! Pneu large. Non, justement, c'est ça que je veux changer. Standard. Roue arrière jumelée. Non, pneu étroit. C'est ça que je veux. Configurer. Oui. Ok, merci. Ah oui, quand c'est étroit, c'est étroit. Hein. Eh bah putain, j'espère que j'ai pas cabané avec ce truc. Mais non. Alors. J'ai même pas du rouge pour chanter. Bon, alors il faut retourner à la ferme, récupérer les pondeurs d'engrais et foutre de l'engrais sur le 9. Bon. Elle sort quoi? Bon, bah, à mon avis, vu le temps de la vidéo, ça fait déjà un quart d'heure que je vous couvre. Eh, ça, ouais, ça va faire des vidéos de ouais, 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure, je pense. Ça va être pas trop mal. Le temps de faire ceci. Bien entendu, enfin, je pense que en off, je pense pas continuer la partie. Tant que je pense que cette partie-là, pardon, je la ferai en vidéo. Je la ferai en vidéo, donc du coup, à chaque fois que j'avancerai là-dessus, ça sera automatiquement, ça sera mis en vidéo et bien sûr posté sur YouTube. Bien sûr, c'est des choses qui sont pas très roleplay, c'est normal. Enfin, surtout niveau conduite, parce que
je joue avec une manette Xbox. Et voilà, je crois que je règle les joystick parce que c'est un peu sensible. Ah, sensible. Oui, non. Je suis perdu. J'ai eu. Excuse me, là je suis paumé. GPS, please. Merde, c'est pas la bonne touche. Voilà, là c'est mieux. Alors, je suis où? Oh, bah si, je suis sur la bonne route. Faut que je continue tout droit. Ouais, donc je vous dis quoi? Ouais, je joue avec une manette Xbox. Donc, PC. Hein. Bien entendu, PC, mais adaptable sur Xbox One. J'ai pas... Ouh, c'est là! Ok, voilà. Attends, je suis revenu pour un con, je suis venu à la chambre d'étire. Bah oui, je suis venu à la chambre d'étire, il sait pas où il est juste. Oui, je suis paumé sur la main. Moi, ça fait pas longtemps que j'y joue. Alors, je voudrais savoir où est-ce qu'elle est foutue cette saleté. Alors, moi, je veux savoir, il est où mon épandeur? Il est là, mon épandeur. Et faut que je passe par où pour aller là? Faut que je redescende au carrefour, chemin de terre. Prochain chemin de terre à gauche. D'accord. Donc, il faut le... Putain, qu'il y a 40 km là, ce truc. Et bah, dis donc, le pire, il faut passer. Ah oui, comme je disais tout à l'heure, enfin si je l'ai dit ou pas, je sais plus. J'ai des trucs de mémoire des fois. Je ferai pas que du farming, sur ma chaîne. Je ferai également, du GTA 5, enfin pas mal de jeux. Enfin, j'essaie de faire pas mal de jeux assez régulièrement et amener pas mal de nouveautés sur la chaîne. Mais vous attendez pas à avoir des jeux qui viennent juste de sortir. Oh, je vous dis tout de suite, vous attendez pas à avoir des jeux qui viennent juste de sortir, si ça arrive, bien sûr. Bah, vous verrez par vous-même, hein. Voilà. Bon, maintenant, les pendules, il est où? Je crois qu'il est pas par là. Ouais, c'est plus rigolo, c'est qu'il est là. Voilà. Par contre, c'est pas mis le manuel attaché dessus. Bravo. Bon, on va dételer. Tuer. Non, j'ai pas mis. Enfin, je pense à mettre. Par contre, c'est petit épandeur. Hein. Ouais. Ah, petit moyen, petit épandeur. Mais qui peut pas dire petit mais puissant. Bref, ça j'en suis grand sûr. Alors, me dis pas qu'il faut charger à la chargeuse celui-là. Je fais comment pour remplir mon bordel moi? Qui pour le remplir? Bien sûr, il faut l'engrais solide. Ah ça, ça me la fout bien, tiens. Bon, bah, je crois que je vais chercher... Alors, on va faire un truc. Mince. Non, c'est pas ça. Oh là, magasin. Alors, palette. Sac d'engrais. Bon. Voilà, j'en ai pris quoi? J'en ai pris deux. Je pense que ça devrait suffire. Hein. Est-ce que j'ai un plateau? Bon, je sais même pas.
Si, j'ai un plateau, non? Est-ce que j'ai un plateau? Est-ce que j'ai un plateau? Plateau, 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 plateau! Eh ben non. Yeah. Bon, bah toi la fourche. Au moins que j'ai des sous pour pouvoir m'acheter un plateau. Ce qui m'étonnerait, c'est qu'il me reste plus 15 000. Tech. Alors ça, les plateaux, normalement, on chope ça dans Cobalt, non? Question de l'année. Pardon. J'en rote de joie, dis donc. C'est pas dans un niveau. Nine. Bien sûr, c'est pas comme ça qu'on fait marche arrière sur le bordel. Mince. Je sais plus dans quoi on trouve ça. Normalement, c'est dans Ball, il me semble. Mais je suis con, Ball, c'est là, une espèce de bigleux. Faut vraiment que je mette des lunettes, moi. Ah, j'ai un plateau. Un plateau sur Dolly, mais. Enfin, non, c'est pas sur Dolly ce truc, mais. C'est un porte-caisson, mais je sais pas. Si j'ai pas la remorque pour pouvoir choper le bordel, je vais pas aller loin avec. Remorque. Remorque, remorque. Elles sont où les remorques? Elles sont là. Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Donc, la plus petite à 45 000. Je peux aller loin avec ça, dis donc. Oui, bah oui, moi je vais être obligé de faire les voyages à la fourche. Bah on a des petits moyens les amis, donc bah on n'a pas le choix, bon le tracteur je vais le laisser là. Ah non, faut que je ramène ça, donc je vais aller à la ferme. C'est la parcelle 9, elle est où? Non, la parcelle 9 c'est à côté, je suis con, c'est con de retourner à la ferme. Tiens. Ce que je vais faire, je vais chercher, ouais, je vais chercher le tracteur avec le chargeur. Il paraît que c'est plus facile pour accrocher. Ah là, j'ai la palette. Je sais même pas s'il me passe ce truc. Ce tracteur, il n'a même pas de masse. On va dire, on se le promet. Quelque chose me dit, les amis, qu'on va bien se fendre la poire. Alors moi qui pensais que ça allait durer 20-25 minutes, je me dis que ça va durer longtemps. Ah bref, oh, je pense que je vais faire ça. Ouais, je vais chercher les... Oups, c'est pas là la sortie. Je vais aller chercher les deux palettes. Je vais remplir le... Je pense qu'avec un, normalement, je devrais avoir assez pour le remplir. Et normalement, je pense qu'avec un, je devrais avoir assez pour la parcelle. Et le deuxième... Ah oui, c'est vrai, c'est la bagnole qui est là. Ah, attends. Est-ce que normalement j'ai le haillon qui s'ouvre sur celle-là, non? Il me semble que j'ai le haillon qui s'ouvre là-dessus. Tata! Voiture! Oui! J'ai le haillon qui s'ouvre! Bah, il n'y a plus qu'à croiser les doigts, la palette rentre dedans. Alors, du coup, on va aller devoir avec la voiture. Question. C'est à droite ou à gauche? C'est à gauche. Alors... Et si je conduis comme ça, si je conduis comme ça va pas le faire. Et on écrase sous les cultures, tout va bien ici. Attends, je sais plus où je pousse à gauche. C'est pas trop autant. Si je conduis comme ça va aller vite. Alors bien sûr, hein, 123 km/h, ça fait un peu rapide. Tac, 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 tac. Et voilà, les deux palettes sont là. Est-ce qu'elles vont rentrer? Il y a une qui va rentrer, sûr, mais l'autre, je suis pas sûr. Euh,
Si je me louais un tracteur. Si je me louais quelque chose. Attends, j'ai un petit bidule là normalement dans les modes. C'est mille à louer. Oh la merde, pour de l'élevage. Donc peut-être aller voir en chargeuse. Ou alors si c'est pas en chargeuse, ça sera dans Bobcat. Merde, c'est à placer. Non plus. Non, je vais pas trouver ça dans la masse, non, je crois pas. Télescopique. Non plus. Attends, c'était dans le camion qu'il est. Non, il n'est pas dans le camion. Tracteur alors. Il n'est pas dans le tracteur non plus. Mince, couillon. Voyons voir. J'ai un petit. Je sais que j'ai un petit. Ah, il est là. 17 000 le. Oh putain. Bon, 1 500 loué. Oui. Oui. Autour, autour. Alors, on va mettre la voiture en position. On ouvre le rayon en grand. On descend. Oh, je suis pas sûr que ça passe. On va essayer. Après tout, s'il rentre sous la fourche comme ça. Est-ce que ça va rentrer? Mais oui, ça rentre. Oups. Comment on fait pour... Normalement, j'ai un translateur là-dessus. C'est qui s'appelle cabaner la marchandise, espèce de couillon. Allez, fail. Comment se faire troller? Je sais même plus mes touches. Oh, et puis hein, ça va rentrer. Les deux vont rentrer comme ça. Eh oui.
Faut être un peu malin. C'est dans ce jeu, il faut être un peu malin, parce que des fois, ça vous sauve bien la mise. Ça m'a évité de me foutre dedans. Hop! Non, quel con! Bon. Oula! Alors, tac 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 tac. Ah, stop! Ça, je trouve pour le pont, je trouve qu'il est vachement stable ce petit pédoïque, hein. Ah, par contre, il est tellement sûr que... Oh, attends, s'il rentre comme ça, hein? S'il rentre comme ça. Voilà. Et le pire c'est que les deux ils rentrent. Easy. Là si je pose la voiture à la place de retirer mes fourches. Par contre là ça bug. Oh là 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 là. Par contre ça bug. Regardez, le vibromasseur. Vibromasseur sur roue. Par contre, niveau châssis, j'ai mis du gros. Ah, oh, ça par contre, la direction est pas top. Hein. C'est vrai que ça avance pas juste. Vous imaginez rentrer jusqu'à la ferme avec ce truc hein. Là, tu mets 2 heures. Ah, t'as rifté. Là, celui-là, on va le rendre. On va aller. Oh, rendre. Ou alors. Par contre, la bagnole, elle est sur le cul. Ah, tu m'étonnes, vu le poids qu'il y a derrière. Ah, je pense que je suis pas sûr de faire. Je suis pas sûr de faire du 100 km/h dans la montée là. Ah, j'ai un problème. Je suis en surcharge les amis. Ah si, c'est bon, à l'avance. Hop là, allez, fail. Cabané, ça c'est fait. Ça c'est fait. Allez, roule ma poule. Allez, on va rouler un bordel. Oh la merde, je vais chercher le tracteur. Oh, ça y est, quoi, je crois que je vais le respawn. Oh, je suis chier, je suis obligé de descendre le tracteur. Oh, pauvre de moi. Alors, tracteur. Bon, oh, attends, on va faire comme ça. Ah, tracteur avec chargeur. Je vais redescendre. Bon, le temps de descendre. Bon, vous avez bien vu, hein, ça se passe jamais comme prévu. Ah, moi qui pensais faire un super là, bah tiens, je me suis fait avoir comme un bœuf. Hop, mais attendez, par là, c'est plus court.
Tout à l'heure j'ai fait, je sais pas si vous voyez sur la petite carte, j'ai fait, tout à l'heure j'ai fait le tour par le même champ, le 10, mais j'ai fait le grand tour, je suis propulsé par là. Ah c'est plus court par là, j'ai vu ça tout à l'heure, oula. Par contre ce que c'est long, tranquille. Oh là là. Moi qui en ai déjà conduit, ça fait encore plus long. Après on se dit sur la route, quand on arrive en Afrique, on râle et tout parce que ça avance pas, mais on se dit aussi que... Enfin il faut se dire aussi que c'est grâce à eux qu'on a bouffé dans les assiettes quoi. S'ils étaient pas là, bah nous pas manger quoi. Nous crever quoi. Oups, c'est mieux qu'on roule droit. Il paraît que ça se fait. Bon, alors, on fait quoi? Méthode Brutus ou méthode à la plume? Bon, on va essayer délicat d'abord, hein. Histoire de ne pas paraître trop Brutus dès le départ. Allez hop, on est parti. Bon, j'espère qu'à tous les coups, tu vois la marchandise qui va se casser la gueule partir. Eh ouais. Ah non! Ah GG, il y en a un qui est resté dedans. Bon, de toute façon, vu le poids, à mon avis, je pense que je vais prendre un sur la... Vu le poids, je vais en prendre un avec moi sur les fours, je pense que c'est l'autre moment. La pauvre bagnole. Hop, on met toujours, je suis sûr, j'ai laissé les gyrophares dessus. Ah, ils se sont arrêtés, tiens. Tac. Là. Bon, je suis à moitié sur la cheval sur la route, c'est pas grave. Par contre, là, je fais la pire et de l'envie de fait. Voilà. Le maître du joystick c'est moi. Non je déconne, c'est une connerie. Hop, merde, raté le coche. Ah j'embarque la palette. Alors tac, enfourché. Et hop, voilà le travail. Bon le tracteur je le déconne. Oh quoi. Quoi que le tracteur. Je le prends maintenant. Je prends la France aux aides. Comme ça, il n'y a plus qu'à viser dans ce bois. Pas dans ce bois, on les prend bien, mais tiens, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que j'aborde un sujet. Par exemple, pendant mes vidéos ou sur un truc que vous aimeriez. Où j'ai tourné là. Un truc que vous aimeriez faire par exemple en multijoueur, ce genre de truc, une carrière ou quelque chose comme ça, dites le moi dans les commentaires et puis bah après on vous répondrez dans une des vidéos. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les palettes comparées déjà du 15 au 17, déjà ça a pas mal évolué. Parce que là, vous voyez, la palette elle bouge pas. Enfin, presque pas. Comparé au 15, vous faites ça, et la palette, POUM! Elle taille pétonche, donc. Ah, les palettes de laine, je sais pas si vous avez eu l'occasion de faire dans le 17, enfin pour ceux qui les ont. Pour ceux qui ont eu le 15, tiens, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez. Si vous avez la même impression. Et moi comme un blé rouge, je suis en train de rentrer dans la mauvaise firme.
J'aurais dû tourner à droite ou tourner à gauche. Ah, on arrive. Allô. Oh, juste un yassé en fait. Bon, c'est bien. Ouais, mais après, à voir la quantité aussi qu'il épond à l'hectare, lui, parce que c'est pas comme dans le 15, là, comme les tonalités, le truc qui t'envoie 3 fois plus que la réalité. Ah, tu te dépapotes, heureusement que j'en ai dans la réserve, hein. Non, des doux, comme dit le paysan. Non, je rigole. Alors, le 9. L'entrée du neuf. Excellent. Ah d'accord, les roues comme ça il fait pas de traces. D'accord. C'est pas mal. Bien. Voilà. Oui. Alors, ah, chiotte. Putain, mais sans faire exprès, j'appuie en fait sur le. Oh, ça va pas être mal. Alors, je suis sur les tourelles. Activer les pondeurs, on va aller X. Par contre, je sais pas du tout où j'ai bon. Il m'a l'air assez bon, je trouve. Tac. Je me demande s'il n'y a pas déjà été fertilisé, lui. On va voir si ça change de couleur. Attendez. On va aller voir sur le... à la croissance. Si, il est déjà fertilisé, lui. Si, il est fertilisé lui. Je raconte une connerie moi. Par contre le 8 à côté non. Si le 9 était fertilisé, je raconte des conneries. Guignol. Alors, l'entrée tu l'as. Oui, je lui ai voté niveau. Ah, lui, il est prêt. Être récolté.
Bon, du coup, j'ai chargé mon éperon des rentrées pour rien. Bien. Tant pis. Bon, on va sortir les mosbats. Celui-là, je vais le caler quelque part. Je rapatrie. Voilà. J'aurais dû charger. Voilà, c'est mieux. Alors. Celui-là, je vais le ramener. Donc au début, je pense que la moisson, on va la vendre. Pour se faire un peu de pognon. Bon, jamais 203, hein. Gros fail. J'ai foutu où la palette? Je l'ai mise là. Bon, c'est pas grave, je viendrai la chercher avec le tracker. Ça, c'était à prévoir qu'avec la bagnole, ça évolue en tous les 11. Ouais, je vole, I believe I can fly, lol. Tac, tac, oui, hop là. Tac, ça c'est bien fait. La bagnole, je vais la caler où? On va éviter dans la niche du chien, hein. On va éviter. Voilà. Bon, les amis, je vous dis à très bientôt et salut, salut.